Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, aujourd'hui, nous sommes vendredi le 23 juin 2023. Et nous venons, comme d'habitude, pour réagir à un sujet d'actualité qui prédomine cette semaine et que nous pensions qu'avec beaucoup de questions que vous continuez à laisser sur ma page, surtout Facebook, et puis ma page, les tweets que vous posez des questions. Et puis, je croyais en tout cas qu'avant la session de demain, la session live de demain, donc session directe de demain, qu'on pouvait réagir sur ces sujets d'actualité. C'est les deux sujets d'actualité d'ailleurs, c'est... Donc, il y a les élections, donc la défection, la réaction de membres de l'ECID, spécialement Ado Ndombasi, qui finalement a écrit une lettre et que nous pensions que nous devrions aussi réagir sur cette lettre parce que nous avons quand même eu beaucoup de questions et beaucoup de gens commencent un peu à se dire finalement qu'est-ce qui se passe, est-ce que le parti politique en question... ils s'entendent ou bien de quoi il s'agit. Nous allons donner notre point de vue et donc nous allons aussi parler aussi des institutions. Donc nous allons réagir sur les institutions dans l'affaire Matata. Donc ça, ce sont là les deux sujets que nous allons réagir dans cette grand format de réactions de cette semaine qui nous amène pratiquement à la fin du mois de juin et à ce moment-là, nous resterons avec 5 mois avant les élections de 2023, décembre 2023. Alors, directement pour y aller avec le sujet de ces élections, Matata Mponyo, je vous avais dit, pas Matata Mponyo, mais Mafa, donc je disais Fayulu, s'est dit non partant. Il a dit que il ne déposera pas ses candidatures à tous les niveaux dans ces élections dont la date de dépôt de candidature va être le 25, donc dans 2 jours. Alors, ce qui nous a intrigué, c'est que la réaction de l'un de ses commandants, qui est ce député qui siège encore au Parlement, qui s'appelle Dondobasi, a écrit une lettre en disant que c'est une mauvaise choix. Alors, c'est dès lors que nous commençons un peu à nous poser la question. Nos partis politiques, lorsque leur président de parti politique prenne une décision, ou bien dans une conférence de presse, y a-t-il d'abord des prérogatives, ou bien Dondobasi n'a-t-il pas assisté à cette réunion d'avant, normalement, le président du parti politique devrait réunir son comité ou bien son comité directeur, le membre directeur du parti, en leur informant, voici la position du parti. Voici comment est-ce que nous allons prendre cette bataille qui est devant nous. Quelle est la politique quelle est l'attitude que nous allons montrer, la position de notre parti? Ici, moi, je condamne vraiment, et ça me fait très mal. Et ceci montre, effectivement, comment est-ce que nous sommes désorganisés dans tous les sens. Même dans l'opposition, voilà un peu encore un cas d'une certaine désorganisation. Nous ne sommes pas en ordre. Et moi, à ce moment-ci, je peux condamner justement Ado Ndombasi de prendre d'écrire, d'avoir ce gâte-là, d'écrire. Ça, c'est de la marre, c'est quelque chose de très grave. Si nous nous respectons, nous ne pouvons pas faire ça. Ça montre effectivement combien est-ce que nous ne sommes pas responsables. Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Et toutes les actions. Et donc, pour moi, Ado Ndombasi a salié l'okomoko bakoki ko salaté. Ça, c'est vraiment un péché que nous avions constaté même au temps de Tshisekedi, le père.
où il a donné un mot d'ordre en disant que batunangai bobo kende na parlement te batubakenda na parlement, et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Et donc dans la tête de ce monsieur là, il n'y a pas de changement, et moi je ne pense pas que il a encore sa place na katia la mukakuna ou bien na katia isidé place bautaki. Voilà comment, voilà les hommes qui ne sont pas responsables, qui sont à la tête de notre pays. Ezamawa, pendant que nous sommes en train de chercher les changements dans notre pays, regardez maintenant comment quelqu'un qui va à la contre, je crois à la... Fayoulou ne pouvait pas prendre cette décision sans avoir informé, je crois, Batunaye à Koloba. Voici comment est-ce que Tokosala, voici Tozo Kende Bitumbaboy. Yangona Ezakola qui s'abissait que même si ce monsieur-là, Bazongi nanani na mandature prochain, ça sera du désordre. Et qu'on a la carte des ordres. Voilà quelqu'un qui commence maintenant à fragiliser même cette opposition-là. Fayoulou, Azana, on a problème. Na baninga na ekuna ya opposition. Il fallait batala ndengenini. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que... C'est ça que je me dis. Bande konaye nyoso bazana kati opposition o baserelia ki matata katumbi et tout ça. Voyez maintenant batuna mutuna mutwa comme le ba non bisoto okende kande ngwana oh non bisoto zelana. Ça montre déjà l'opposition qui est divisée, et donc tozana espoir te ke bato bazako kubundela na opposition. Bangone mutu bazoya na solution. Ezamawa, ça fait très mal de voir la classe politique comment elle se comporte. Bitumba baganya kango bozo kende désunis boete. Vous allez gagner Félix comment si vous êtes déjà divisé dès le départ. Donc Ndombasi peut être débauchable. On peut le débaucher facilement pour fragiliser Tshisekedi et pour fragiliser Fayoulou. Yangwana, moi je pense que déjà na bafaya Marc Oyo, peuple congolais, vous devez être très malin tout déclasser bato nyoso. Déclasser Bato Onyoso, s'ils ne s'entendent pas, nous devons aussi les sanctionner. S'ils ne s'entendent pas, ce qui va mitier ensemble, te ba yo kanite ke no toko dirige mbo kanabiso bo ebo tozo kende wapi. S'ils ne nous donnent pas cette image là, je ne pense pas que peuple congolais to wiko tolere ango ke no batu wabanda o kende ka aboe. Il y a quelque chose qui se cache derrière défection à Dondombasi na koloba ke Fayoulou azui décision mabe. Pourquoi vous ne pouvez pas aller vous régler vos problèmes à l'interne pour que vous puissiez avoir une solution globale? Bandeko, nous ne sommes pas en train de nous battre pour les hommes ici. Et là, on a peine à dire qu'il y a le belango awa. Parce que ça, deuxième aspect, deuxième point, na kati aspect oyo. Pourquoi est-ce que nous devons nous battre pour les hommes? Batu bako bi bako len bako kende na moni nani moko moi vidéo moko ezako circuler mutu moko alobia za membre ya SID ya kendaki azwa ki carte de lecteur na e na pasi tout ça, mais comment Fayoulou ko iko sala bango nengwa na lobia okende ba élection te? Qu'est-ce que ça va nous donner ces élections là? Pouvoir à Fayoulou. Fayoulou va faire quoi après avoir eu le pouvoir? Ce qui azui ba élection na ko sala na Congo nini? Kaka po kombo na Fayoulou. Kaka po ABC bino ke non, na kosala bwe, na kosala bwe, na kobimisa Tshisekedi. Il doit nous prouver que non. Nandenga za koya, voici le plan. C'est comme ça que nous sommes dit. Batu onyoso, ngana nou na yo kite, elok mou kandida mou kote oya convaincre nga lobi. Bon, voilà, Congo na biso problème yango yango yo. Biso, il faut to kende, nan moko, na tokosala bwe, so ki tozui pouvoir tokosala ABCD. Bango nyoso za kaka ke non, bazo kozo tonga balabala te. Oh, bazo tonga te, oh, moutoute boye, oh, corruption boye. Il n'y a pas un plan directeur au ekoki ko convaincre ba congolais koloba ke non tozo kende na ndenge moko ke payer za uni payer sécurité za ya malamu to que comment est-ce que nous allons nous y prendre pour to silisa likambo ba défection ya ba na disons ba infiltration na kati ya armée ba binoko na ba politique générale wana bango nyoso mutu te za ko ebisa biso eloko moko te. Félix qui est au pouvoir aussi azako bundana na biloko wana mais azako kokate. C'est ainsi que donc na mboka o lelo, pour dire que c'est très très difficile ya koyeba mutunini yango kokaka ko diriger biso. Moi je crois que peuple congolais, nous devons être vraiment pour l'instant to fungola miso total, et pour que nous soyons exigeants à tous ces gens qui viennent nous promettre mondes et merveilles.
Moi, je ne suis pas là pour dire que non, Mutubo et tout. Non, analysons avec un bon œil. Nanyango, Mutu. Quelle est la politique qui va nous unir? Et là, on a dit que les gens qui ont fait la corruption, tout ça, l'administration à Malamu. Et nous, ici, à Contact Pro Live, nous avions donné la solution. Tolobi que Ezamu touté. C'est pour cela que quand je me dis, bah toi et y a décidé bazolo bah oh ma fatto a trahir bango ma fa trahir bango, Fayulu a trahir bino nanini. Fayulu a trahir bino nanini. C'est vous plutôt qui devrez demander à Fayulu de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il veut faire, il veut être président de la République. Il a eu tous les quatre ans. Il a quoi expliquer que non bon voilà tout ça. La mouka babundi nango. Pourquoi ça? Essentiellement parce que vous n'expliquez pas le grand problème na ba militant na biso oyo na bino po oyo bozo ko combattre lokoni bolobaka bozo combattre corruption bo denonce kaka oh eloko oh salemi boete oh il fallait salema boy. Mais quelle est la solution que vous pensez être que non bino ka? Parce que vous faites la promotion de vos noms au lieu de faire la promotion de vos politiques oya ko diriger Congo. En tout cas, ngai na ba discours nyo so Fayulu kendaka. Ezalaka ba dénonciation ba ibaka ye banani ba voix. Mais quelle est la politique? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez changer les choses quand vous aurez le pouvoir au pays? C'est ce discours là dont le peuple congolais a besoin. Akoyoka nini yango? Toko banda ndenge nini? Qu'est-ce qui va nous unir autour de toi pour que toyeba ke non soki yo za te politique wana toko ko implémenter yango? Le défaut que le leader PSA aujourd'hui, c'est à cause de ça. Ils n'ont jamais élucidé quel est le grand problème, le réel problème. Ils n'ont jamais donné ça. Même quand vous allez dans leur acronyme, donc UDPS, politique nini bako ki ko sala pona ko changer makamu nyoso pour que bazala vraiment na développement na démocratie na kati kuna. Quels sont les tacles? Programme za nini? Programme za te. Donc, les partis politiques qui sont là, mbango nyo sobaya kanini, tole ki sakaka moutou boy. Biso tangu toko kende kuna toko zalaka na sima moutou wana. Adolphe Ndombasi n'a pas besoin d'être chômeur l'année pour dans la magistrature prochaine. Il n'en a pas besoin parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense qu'il ne connaît pas. Ayebite makamu, ayebi nini ango azo sala na parlementé. S'il savait, il ne pouvait pas faire ça. Parce que, na bomoko nde tokolonga bandeko. Na boko kenda kabwe. Vous avez déstabilisé. Ozo déstabilisé politique. Y a parti politique nabino. Pourquoi Tshisekedi akangie Escadela? Pourquoi Tshisekedi akangie? C'est pour déstabiliser Katumbi, n'est-ce pas? Parce que Katumbi moutoune azala rapembe, nous avons déstabilisé tout ça. Ça, c'est la raison. Nous connaissons. Ça, ce sont les tactiques politiciennes. Mais moi, je pouvais dire ici, pour ne pas être très long sur ce sujet-là, que nous ne devons pas tolérer Makambo Aboye nakati aba parti politique. Mutu moko ko bimbi misambo kuna ah non président ako kende kuna te parce que non vous devez avoir une politique commune. Ce qui donc Fayulu azate esidé koufi. Voilà la faille. Ce qui Katumbi azate ensemble koufi. Ce qui Fatché nani Tshisekedi azate IDP se koufi. Nous ne suivons pas les idéologies et nous n'avons pas le plan directeur à implémenter par idéologie wana. Et si des ce qui est na plan directeur à implémenter à koloba, si biso décide to vivre pouvoir, voici pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pas pour la face de Fayulu. Non. Nous devons nous battre pour une certaine idéologie. Ainsi, Adolphe Ndombasi ne connaît pas l'idéologie de l'ICD et de l'ICD. C'est pour cela qu'à l'obino, président, la lettre kakabo et nakat y a public à Koloba que non, Azako Kendemabe. Vous devriez avoir le temps de discuter au sein de votre parti politique pour défendre justement l'idéologie. Vous avez la bozana combat à chasser Tshisekedi. Vous ne pouvez pas y aller en disparate parce que Tshisekedi a olonga bino. Na Marco Tozo Kende, Mboka Nabiso Kende Malamute. C'est pour cela que je voulais parler ici. Il y a un parti politique Nabiso Oyo Tozako promouvoir Bato.
Ce sont les hommes. Les partis politiques se reconnaissent par les têtes des gens. Donc on ne connaît même pas l'idéologie. Mboka na biso tozo kenenango wapi. Et c'est ça le grand problème de notre pays. Nous ne connaissons pas là où nous allons, mais nous pensons que les hommes pourront venir parce que bazaba ba mikiliste, parce que bangone mutu ba sala kala, tout ça. Ainsi ba kokonkamba mboka yote. Le pays moderne doit se diriger par une politique. Politique n'a biso affaire étrangère tokome melango ndengenini. Politique à défense tokome melango ndengenini. Comment est-ce que nous allons organiser notre pays pour que Batunyon soba se retrouver? Quelles sont la politique économique que nous avons? Et tout ça doit être dans un document où bino boza ko défendre na kati ya parti politique na bino. Ainsi, ce qui mutumo ko azalite, l'idéologie reste. Vous allez combattre pour que cette idéologie puisse être implémentée quand vous aurez le pouvoir, afin que vous pouvez implémenter une vision à Bino et qui s'emboka. Mais dans nos partis politiques, nous avons tous les gens qui ont été retrouvés dans la mandature. Et vous êtes pratiquement capable de faire des transhumances. Vous pouvez faire. Vous êtes capable de se trahir entre vous-même. Et ça n'avance pas le pays. Malheureusement, ça n'avance pas le pays. Donc, tout ça, comme on a donc, l'institution Nabiso, Ezali, Netikaka, Babilo, Komukoboué, Batukaka, ce sont les hommes. Nous avons le ministre, vous allez voir, oh non, Naspor, Awa, Kaboulo, 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 Kaboulo. Mais. Est-ce que Kaboul on a présenté l'institution l'institution sport, oui, Aza à la tête, mais c'est toute une institution qui travaille. Comment elle fonctionne pour que Victoire ait et comment? Et moi, je pense que c'est ça qui devrait être changé. Nous devons nous battre pour que Batuna Batuba banda ko se reconnaître au sein des institutions et que les institutions puissent se dominer. Toye bake armé. Eza kolonga. Armée de mutuboye. Armée, ce n'est pas Chiwewe Yemoko. Ce n'est pas Bemba Yemoko que non de mutuboye. Eza ensemble abatu. Et ce qui. Yamwana eza ko reflété défection. Comment est-ce que certains des Congolais vont à Kigali? Ti lelo baza ko coopérer na Kigali pour ba déstabiliser Mboka na bango. La même chose yamwana zolo bela awa na Ndombasi. Donc c'est une maladie qui se trouve. Être que ma parti politique Nabiso et même notre pays, nous ne sommes pas unis autour d'une idéologie que nous défendons pour gouverner notre pays. C'est ça le problème. Et nous continuons à faire ça comme ça en pensant qu'on change. Non, le changement, c'est que moi j'appelle le changement et que nous devons faire passer les institutions au-dessus des hommes. Ainsi donc, lorsqu'il y a une certaine politique, c'est cette politique-là que nous défendons. Osala te politique, on en est aux acos de femmes. Et il faut que les hommes politiques et les partis politiques puissent se détracter en disant que président Kaka, président Zate réunion Zate, président Kaka, Kaka bilongé à Batou. C'est ça que nous devons combattre. Et là, on en est aux acos de Sambo Kanabiso Sima. En pensant que non, si Tshisekedi n'est pas à la tête du pays, donc le pays va mourir. Kabila Kei Yewana, il nous a montré l'exemple que non, moi je peux aussi partir. Les institutions vont rester bandeko. Mais quelle est la politique de ces institutions-là? Regardez ce qui se passe au Sénat et au Parlement, Lelo. Matata est en train de se battre avec le président du Sénat. Et ça combat à Batumi Balé. Les institutions, on ne fait même plus question à loi. Ça devient un combat des hommes. Or, ça devrait être que la loi et le Bible est tout respecté, Mibé Koko. Ce qui t'a quitté, bon, Mibeko, Ezana Bato, Bako Sala, Bako expliquer Biso Mibeko. Et ainsi donc, vous laissez les institutions en train de se battre. Et les décisions qui découlent de ces institutions-là devraient nous régir. Et non que, Moutouka Kaon, regardez, Matata Poba Kangae, PGR à lobby, Aeko Tuna, Matnani, Baati à lobby, est-ce que Tokanga Moutouana, Bahati alobi, bon, biso to si to longola ba immunité nae. Oubliant qu'il y avait une loi, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Arrêt wana ezala ki a moutoute, mais arrêt salama ki eza identifié na kamouleta, qu'on a enlevé, ba longola e balobi yote.
Pourquoi? Parce qu'il voulait faire passer l'idéologie de l'institution. Babylon, l'institution, on a Eza Banib, donc Tolongo Liango, Eza Batu. Et c'est là le grand problème de notre pays. Mon cannabis, toko se respecter, tant que tozo respecter mi beko te. Si nous-mêmes, le peuple congolais, nous ne mettons pas le loi au-dessus de nous-mêmes, mon cannabis, au kende libosote. Regardez l'exemple, autre exemple. Oezako le canaville à Kinshasa, entre Jantiningo, Vilana, Godempoui. Ça devient les questions des hommes. Biso pe ba congolais, tozo lo ba, oh ba, toi na bazo au kanate. Non! Il y a des choses qui doivent être au-dessus de ces hommes-là. Il y a ces institutions gouvernorales et les institutions de contrôle qui doivent travailler. Ce qu'institution a contrôlé, c'est contrôler, c'est au-dessus de toi. Ce n'est plus toi. Ce qui va kangi ou que osa mouyibi, ce ne sera pas à la tête que non poinde mtoa kangi gentini. Non. Mais biso ba congolais, tout comme il faut définir en on a battu. Voilà là où les choses se compliquent et que nous devrions corriger. Et moi, je pense que les dirigeants qui sont en train de venir, pour commencer à être achetés dans cette réaction grand format, les gens qui doivent venir, il faut toyer babango, bazako, bundapo nanini. Pourquoi est-ce qu'ils veulent prendre la tête de notre pays? Est-ce que c'est pour le bien de leur tête, puisqu'ils sont beaux, puisqu'ils sont intelligents? Ou bien ils ont une certaine vision, une idéologie à mettre les Congolais ensemble afin qu'ils puissent travailler ensemble. Et c'est pour mettre les Congolais ensemble pour qu'ils puissent travailler ensemble, c'est la promotion des institutions. Ainsi, la promotion des institutions va devoir vouloir avoir une bonne administration, batou bazo sale la mboka, et non que mboka zo sale la batou. Comme nous entendons toujours, il y a un boxeur qui a dit « Nan, on a lié un bon à Congo te ». Qu'est-ce qu'il a déjà donné au Congo? L'honneur. Qu'est-ce que l'honneur va cet honneur du Congo va apporter à un monsieur ou bien qui vit à Mangourujipa ou bien dans un village de Kasumbalesa? Cet honneur va faire quoi? Le petit est pauvre, il y a la guerre chez nous, il y a tout ça. Cet honneur va faire quoi? Non. Nous devons reconstruire le Congo. Et le Congo, lorsqu'elle est construite, ce sont les institutions qui fonctionnent, ce sont l'administration qui fonctionne, ce sont le peuple qui se sont acceptés en disant que nous travaillons pour le pays, pas le pays pour nous. Lorsque nous allons donner au pays, et le pays va nous payer. Mboke kobanda kofuta biso. Na musala otoza kosale laye. Mboka ndeza patron na biso. Et ainsi, le pays, c'est cette administration qui fonctionne, ce sont les lois qui fonctionnent, ce sont les institutions qui fonctionnent, ce sont les institutions dont les hommes bazo sala bazo défendre. Mais si un monsieur du Sénat pense que le Sénat est aïe, a kokiko sala boim, et comme il politisé et le pays est à moule, c'est ça l'erreur du pays. Et c'est ça que je pense que battu. Il faut s'atteler à corriger le plus urgentement possible si nous voulons avoir le développement de notre pays. Sinon, battu na battu bakubanda koya, on a na salé la kibino boim, il oublie que cet argent-là, c'est l'argent du pays. Ils oublient que cet argent-là, ce n'est pas leur poche personnelle. Yango toza komona. Ba tuba kanisaka. Non, sokinga na komi mokonzi, c'est que Congo komi yangai. Bandeko, Congo yo eza Congo ya Tshisekedi ye mokote. Mbongo eza Tshisekedi eza kokamba, eza ya ye te, eza ya ye mokote. En tout cas, nzambe asunga biso ba election ele kamalamu. Mais moi, je pense, je voudrais, c'est que ba Congolais bo fungola miso, toko ya tsusu na mbebate oyo ya kopona batu moko oyo bazana idéologie makasite. Et donc si vous voulez vous organiser et dans le parti politique unité moko il faut ezala idéologie moko il faut ezala bon expliquer biso mboka oyo bozolinga kokende na yango wapi. C'est dès lors que nous aurons le moyen de vous juger. Par exemple, aujourd'hui, Bokolo Bakeno, bilan Tshisekedi des années exacte, parce que lui-même ne savait pas ce qu'il venait faire. Il ne savait pas, il n'a jamais bien explicité à Koloba que nous avons organisé pour ABCD. Non. Il navigue sans vie. Il y a une place à Zokenenambo Kate. Excusez-moi, je ne suis pas contre Fatih, mais moi, je constate que nous ne savons pas là où nous sommes en train de partir. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile d'évaluer l'action que le président de la République a faite depuis 5 ans. Voilà. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Espérant que vous êtes là et que quand on a commencé que vous êtes comme Tina Costa, Langai Tina Souka, ceux qui sont abonnés, abonne-toi. Lobby samedi, nous aurons encore un live,
en direct donc na Facebook to ko expliquer ba makambo encore beaucoup plus en approfondi. C'est une émission de 1h30 to ko sala ngo to ko expliquer bino ba idéologie ba parti politique. Comment est-ce que quel est le réel problème avec les partis politiques? Pour ça abonnez-vous. Ko bosa na to ka o cligner o cliquer na cloche wana na notification pour que osa la notifier tant que tozotia ba vidéo mususu yasika. Merci en tout cas pour que na bato baza ko s'abonner bozo pesa nga makasi ezo pesa nga vraiment courage puis ezo pesa nga pe moi esengwa komona keno je ne prêche pas dans le désert. Il y a des gens qui me suivent, c'est lorsque vous continuez à vous abonner ou bien boza ko partager ba émission. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.